Comment ça va les gens? Moi ça va bien. Hop, on va lancer le jeu. Ça serait bien qu'on lance le jeu quand même. Alors, hop, hop. Pop, pop, pom. Alors comment ça va les gens? Ah, ça faisait longtemps? Ça a fait quoi? Une semaine? Au moins? Au moins. Ah là là. Pourquoi tu vois pas le jeu? Qu'est-ce que j'ai encore foutu? Pourquoi il voit pas le jeu? Attends. Capture de jeu, propriété, fenêtre. Shield of Light. Bah oui, c'est bon. Pourquoi il le voit pas? Ah, voilà, ok. Bon. Hop, je mets ma souris dans le coin. Bon, on est parti. Alors, je sais plus où on en était. On avait tué. Alors, attends. Je réfléchis. On avait été enfermé dans la forteresse de je sais plus quoi. On était descendu dans sous la mer. Et puis j'étais perdu. Bah ça va. Et toi, comment ça va? Ah oui, voilà, c'est ça. Je cherchais les machins, mais je sais pas si c'était volontaire. Donc voilà. Alors carte, on était à sous la mer. On était sous la mer. Et après, je savais pas ce qu'il fallait faire sous la mer, en fait. Yen, quel âge as-tu? Bientôt 10 ans. Ah, j'ai l'impression d'être un vieillard subitement. Ah, bon bah d'accord. Réfléchis. J'ai qui avec moi? Attends, mon groupe c'est quoi? Oui, Aurora, Rubella, Flint. Je pense que je dois avoir la lumière et le feu sur moi. Ok, ça j'avais déjà pris. Bah ça va, cool. Tu connais le jeu ou pas? Ah, oh, j'avais pas vu, il y avait de la magie. La magie. Poudre de vitesse. Hein? Attends, c'est qui se traîne du cul à chaque fois? Ah, de la défense, attends. 45, 56, 92, 73, 238. Bon, on va le mettre à elle. Et de la vitesse. Bah lui, il se traîne du cul. Donc oui, oh, je connaissais pas ça. Enfin, je me souvenais pas de ça plutôt. Non, pas du tout. Alors, petit résumé du jeu. Petit résumé. On joue Aurora. Une jeune fille qui, en fait, au début, elle vivait avec son père. Son père s'est remarié. Avec une madame, je crois, elle a deux filles, la madame, il me semble. Et donc, ça fait très, on va dire, conte de fées. C'est-à-dire, le père est tombé malade. Moi, je cherche une solution pour trouver, pour soigner le papa. Et en fait, la belle-maman, la marâtre, a plus ou moins pris le pouvoir. Et, mort au rat. Au rat? Quel rat? Attends. Là, il y avait l'oiseau du feu. Un rat? Un rat. Il est où le rat? Là, c'était le cheval fantôme. Ah oui. Enfin, c'est pas des rats, c'est des sangliers, en fait. Donc, oui. Nous, on doit trouver. En fait, on cherche une solution pour soigner le papa. Et on nous a dit, bah en fait, faut que tu ramènes les étoiles, le soleil et la lune. On a récupéré le soleil, non, on a récupéré les étoiles, la lune. Là, on va sous la mer pour récupérer le soleil. Non, MDR, c'est Aurora ou Morora? Non, oh, Aurora. Attendez. Voilà, A-U-R-O-R-A. Aurora, comme Aurore. Et petite subtilité du jeu, dans les dialogues, tout est en rime. C'est un peu compliqué, mais il faut s'adapter. Alors moi aussi, je vais commencer à parler en rime. Je suis pas très bon et pas très subtil. Les monstres, on va les pougner. Voilà.
Que dire d'autre par rapport au jeu? Oui, on a récupéré pas mal de personnages. En fait, y a un truc que je trouve un petit peu étrange. On a au moins 8 personnages, mais on peut en sortir que 2 à la fois. C'est un peu compliqué, on va dire. Ah oui, il y a un truc que j'aime bien dans ce jeu, c'est que en fait, vous voyez, on a une barre d'action en bas. Et en fait, si on arrive à taper l'ennemi quand il est dans la barre rouge, bah en fait, on peut l'empêcher de jouer en fait. Mais l'ennemi peut aussi nous le faire. Donc si on est assez rapide, bah l'ennemi peut jamais rien faire en fait. On peut s'arranger pour que l'ennemi ne bosse jamais, en fait, ne nous tape jamais. Je suis pas encore assez doué pour. Mais voilà. Dans le concept, voilà. Alors je peux les. En fait, si avec la petite lumière je les éblouis, je peux les ralentir. Pour les empêcher de jouer, en fait. Hop. Alors c'est très salaud de les empêcher de jouer, mais c'est rigolo. Mais on peut pas le faire en boucle. Vous voyez, j'ai une petite barre bleue qui permet de le faire. Et en fait, plus je l'utilise, plus. Plus. Je peux moins l'utiliser. Alors, j'ai des petites poudres de temps en temps qui me permettent de regagner un peu de vie, un peu de magie. La boule bleue permet aussi de soigner mes persos. C'est ça que j'ai bien, que j'aime bien. Donc, tant que je fais rien. Et je peux soigner mes persos gratos. C'est ça qui est cool. Alors, j'ai en perso, comme dans tout, plus ou moins dans tous les RPG, j'ai un personnage avec une épée, donc c'est le héros, le principal. J'ai un mage de soins, un mage d'altération, un mec avec un arc, mais je m'en sers jamais. Un mec qui tanque. J'ai quoi d'autre? Je dois avoir, ouais, 6 ou 8... 6, ouais, à peu près 6 personnages. Il y avait quoi d'autre que je suis en train de réfléchir? Non, mais t'as pas le droit d'esquiver. Méchant. Ok, on peut les interrompre. Alors si on joue bien, l'ennemi peut jamais taper en fait. Hop, si je le ralentis en plus, le temps que mes personnages arrivent. Je me fais quand même attaquer de temps en temps, hein. De temps en temps. J'ai quoi? Ouais, 527, ça va, je prends pas trop de dégâts encore. Le jeu est plutôt généreux, j'ai remarqué. Bon, je fais toujours les attaques de base, hein. Parce que, de 1, j'ai équipé mon gros monstre, là, de l'attaque de lumière, ce qui est en général, le plus... Ah, oui, comme il a gagné un niveau... Alors, on va lui mettre quoi? Des critiques, de la défense. Ouais. Ah oui, ça, il faut 2 points. Ok. Alors, vous voyez, j'ai Aurora, j'ai presque tout fini. En gros, au départ, je me servais plus de... Comment elle s'appelle, elle? Celle qui faisait le soin. Mais pour l'instant, je m'en sers plus. Lui, il fait de la magie, de dégâts, style foudre, feu, eau. Lui, il tire à l'arc, mais je m'en sers jamais. Parce que je trouve qu'il fait pas de dégâts. Lui, il a de la magie défensive et. Comment ça s'appelle? Changement de statut, du genre. Alors, attendez. Genre. Non, frappe plus. Sort prolongé qui augmente la vitesse des sorts. Enfin, la durée des sorts. Des armures. Ah non, c'est elle qui a les sorts. Que je me sers jamais, genre la paralysie.
une paralysie. Avec quoi d'autre que je me sers jamais? Ralentir. Hâte. Enfin, accélération, quoi. Voilà. C'est des sorts que je me sers jamais, en fait, parce que... Bah, il n'y a jamais vraiment besoin de... Alors, je sais que je devrais peut-être, mais... Voilà. Je me sers juste que des personnages... qui font du dégât. La mère de Cineb. Ah oui, c'est là. Ok. Et donc, moi, je devais descendre dans la grotte, là. Mais... j'ai pas compris ce que je devais faire, en fait. Oui, d'accord, ok. Ok, alors c'est moi qui étais perdu la dernière fois. Oh, c'est joli. Ça a l'air dangereux, les cristaux. Ok. Ah oui, je vais me prendre des dégâts de ouf. Ah, ça ressemble à un boss, ça. Quoique, pas forcément un boss. Plus un gros ennemi, un peu dur. Vu que c'est un sanglier, bah, comme d'habitude, il est dégâts lumière. Comme d'habitude, hein. Ok, on va ouvrir un coffre. Ok, comme dans beaucoup de RPG, si on le tape dans le dos, on a l'avantage. Ah, les saphirs. Ah oui, ça c'est une mécanique de jeu qui est intéressante, mais un petit peu compliquée à prendre en main. En gros, on peut fusionner trois pierres ensemble pour former des bonus. Trois pierres identiques donnent une pierre de niveau supérieur. Et comme vous pouvez voir, j'ai des gros cristaux sur presque tout le monde. Bon, j'ai équipé même les persos que je me sers jamais. Un petit bleu. Voilà, on peut lui mettre un bleu un peu plus haut. Ce qui me serait intéressant, ça serait augmenter le jaune. Mais je sais pas fabriquer le jaune. Donc, moi, à la base, le jaune, je m'étais dit, bon, bah, c'est du bleu et du rouge. Du bleu et du vert. Mais ça marche pas, en fait. Ça fait un autre truc. Alors... celui qui pourrait être gênant, ça pourrait être le sanglier. Ok. Alors j'ai fait une grosse attaque qui est longue. Ah, contre-attaque magique, ok. Non ? Tu te tais, tu te calmes. Voilà, ça fait du dégât quand même. Ouais, vous tapez fort quand même, hein. Les poneys là, les petits poneys. On va refaire une attaque de zone, hein. Ouais. Ah, c'est nouveau. Depuis quand qu'il esquive le cheval? Ok. Alors, je les interromps. Aïe! Ça fait mal, vos conneries, là. Surtout que Aurora, là, je veux pas dire qu'elle a pas beaucoup de vie, mais... Elle commence à être limitée, quoi. Bon, on va utiliser la technique de la pause, hein. Tant que je suis en pause, on peut pas m'attaquer. C'est long. Mais au moins, ça va. On gagne 15 PV à chaque fois. J'ai vu pire. Au début, je crois on faisait que 5 PV. Donc, depuis le début du jeu, j'ai quand même bien monté, quoi. Ok, on va re-soigner un peu tout le monde, hein. Ouais, vas-y, fais une attaque générale. Je sais pas si tu vas pouvoir attaquer poney rapide, mais... Non. Ok.
Ok, bonus de vitesse. Ouais, tu peux le taper lui, mais bon. Je pense que tu vas te faire contrer. Ok. Ok, pour l'instant, ça va. Ouais, on peut faire un flash vite fait sur. Bon, je pense qu'on va déjà s'occuper de Poney du bas. Et puis on va voir ce que ça donne après. Ok, pour l'instant c'est un peu la galère, hein. Poney du bas. Non, il semble que Poney du battant. Oui, ça marche bien les attaques dans sa bouche directe, en fait. Ok. Ça, c'était bien. J'espère juste que Sanglier, il a pas. Genre, je ressuscite les copains, quoi. Potion de vie, ouais, sur Aurora. Alors, c'est très rare que j'utilise des potions. Ok. Bah, poney du haut maintenant. Action potion. Il me semble que dans le jeu, il n'y a pas de magasin. Donc, en fait, les seuls objets qu'on peut avoir, c'est ceux qu'on peut looter sur les ennemis ou dans les coffres. Ce qui me semble pas avoir vu de magasin, vu qu'on n'a pas d'argent. Ok. Ah, attends, ce que je pourrais faire, ça serait non, pas changer Aurora. Si, changer. On va prendre Rubella à la place de Aurora. Elle va faire soin sur lui. Ok. Ok. T'es qui toi? Aurora. Tu reviens Aurora. Voilà. Ok, petit poney, il s'est calmé. Non mais. On va soigner un petit peu Aurora. Ça, c'est revenu, yes. Ok. Attends qu'on le tape, hein. Moi, je suis content, hein. Il est vulnérable à la lumière, mais c'est pas top top, hein. Ok. Je sais plus, il fait quoi. C'est quoi la magie du. Ok, recule, ça c'est pas grave. Toi, t'as de la magie, t'as quoi? T'as séisme, provocation. Je me souviens plus d'armure des titans, ça fait quoi? Okay. Il aime pas la lumière, hein, en tout cas. Action flash. Toute façon, il tape. Ah non, j'allais dire, il tape tout le temps Aurora. Mais non, il tape pas que Aurora. C'est bon, on l'a tué.
Ah oui, quand même, je... Il m'a fait bien level up, hein. Tout le monde a gagné un niveau, quoi. Ah non, deux niveaux, parce qu'on était 39, on est à 41, quoi. Ok, alors, bah ouais, plus de dégâts. Ah non, non, ça c'est une magie. Ça coûte 2. Bah ouais, une meilleure défense. Toi, qu'est-ce que je pourrais te rajouter? Ouais, comme ça, on aura un meilleur soin. Je suis en train de regarder sur quoi on pourrait partir. Plus de force. Toi, tu as 2 points. Donc, on pourrait partir sur... Ok. Un point. Un point. Un point. C'est quoi ça? Provocation 2. Plus de vie. Oh, 2 points. Non. Ah, ça coûte 2 points, mais ouais. Ok. Bon, c'était pas par là. Ok. C'était pas forcément par là, mais au moins, voilà, on a tapé un gros monstre, on a gagné 2 niveaux. Oh. Là. Ok. Réfléchis. On peut faire ça. On peut faire ça. Voilà, interruption. Ok. Paralysie. Ok. Ah, moi je tape tout le monde, hein. Ah, il résiste au feu, ok. Alors j'ai pas mis le... C'est vrai que ça aurait été logique de mettre le sort de lumière. Enfin, les dégâts de lumière sur l'arme à Aurora. Mais comme elle a déjà des sorts de lumière, ça aurait fait un peu doublon, quoi. Alors que là, je pourrais avoir deux personnages qui tapent en lumière. Ok, ça c'est bon. On peut reprendre un peu de ça. Comme ça on soigne un peu tout le monde. Toi, tu peux faire provocation. Comme ça, il n'y a que toi qui va... Enfin, il n'y a que toi. C'est toi qui va prendre les dégâts. Ah, ok, lui on va le tuer rapidement quoi. S'il commence à soigner les gens. Ok. Oh, tu commences à être bas au niveau vie, hein. Ok. On lui fait des petits dégâts, c'est pas exceptionnel, hein. Ouais, je m'y attendais presque, hein. Ok. Mais non, mais arrêtez de l'interrompre, Aurora, Aurora, elle est gentille.